Gagner. Cutter? Je connais pas de Cutter, qui c'est? Tu vas tous les battre! Ouais, j'y compte bien! T'es prêt? Ouais, j'ai rien laissé au hasard, ah, alors d'accord. Ça va aller. Alors, prêt à m'affronter? À ton avis. Salut, vous deux! Salut, Tammy. Je te préviens, Hiroto, tu me le piqueras pas. Il est à moi. Ah ouais? Attendons de voir ce qu'il décide. On décide tout de suite si tu veux. Hé, c'est pas ma faute si tu te retrouves sans rien. Peut-être, mais moi au moins je sais piloter. Garde ça pour la course. Ouais, compte sur moi. Bonne chance. Merci. Alors, on est où? Je dois gagner cette course, Cliff. T'inquiète, tu vas la gagner. Merci. T'arrives premier, t'es champion. T'arrives second. Je suis bidon, ouais, je sais. Je vais la gagner, cette course. JJ remonte dans le virage. Jusque-là, il était resté en retrait. Pour de nombreux fans présents aujourd'hui, cette course est un duel entre JJ Sawyer et Cutter McCullough qui est en pole position. Amis d'enfance dans leur petite ville de Farewell Bend, ils étaient coéquipiers jusqu'à ce que McCullough s'en aille, les transformant en rivaux. Sawyer décroche pour un dernier arrêt au centre. Il y a un truc qui est vraiment pas normal. Qu'est-ce qu'elle a? J'en ai aucune idée. On dirait le carburateur. Allez, on y va. C'est chaud, on a vraiment pas beaucoup d'écart. Ouais, je sais. Allez, oh. Je sais pas ce qui lui arrive, on ferait peut-être mieux d'abandonner. Non. Si tu continues, elle peut très bien t'exploser à la gueule. Donne le signal. Jet, fais ce que je te dis. Terminé, les gars, on y va. Sawyer sort du stand pour les deux derniers tours et un finish qui promet d'être intéressant. Accrochage en bordure. Reculez! Elles peuvent encore exploser!
finalement, ça s'est bien terminé. Ouais, merci d'être venu aussi vite. C'est quand tu veux. T'as assuré. Toi aussi, t'as assuré. Bon, je te laisse. Rentre bien. Edith. Hey, vous seriez pas JJ Sawyer? Ouais, c'est moi. Ah, je me disais bien. Vous savez quoi? Un jour, j'ai voulu vous imiter et ça a fini contre un poteau électrique. Vous refaites des courses? Non, je me contente de conduire le camion. C'est comme ça. Un de ces quatre. Salut Turk, c'est quoi les nouvelles? On va avoir besoin de la voiture un jour plus tôt que prévu. J'espère que tu plaisantes. Ils ont complètement remanié le programme et on n'a pas notre mot à dire. Ça pose un problème? Je suis déjà en train de couper par les petites routes pour gagner du temps, mais pas de problème. J'y crois. Est-ce que ça va? Ouais, mais ça irait mieux si vous attrapiez le salopard qui m'a obligé à quitter la route. Hé, vous seriez pas... Tom Hodges, comment vas-tu, JJ? Oh, ça fait un bail, dis donc. Oui. Adjoint Hodges? Non, maintenant c'est shérif Hodges. Oh. Eh oui, c'est ce qui arrive quand on arrête seul deux braqueurs armés qui s'en prennent à une banque. Sans blague, vous avez fait ça? Non, je me suis présenté au poste, ils m'ont élu, c'est tout. C'est à toi? Non, c'est celui de l'équipe. Ah. Toujours pilote, alors? Non, juste convoyeur. Sacrée fuite. Tu vas devoir faire réparer. Ouais, faudrait, mais je suis déjà tellement en retard. Il te reste beaucoup à faire. Faut dire ça comme ça. Alors pas de doute qu'il faut absolument que tu fasses réparer. Je sais où on pourra t'arranger ça. De toute façon, t'as pas le choix. Dis-moi, ça fait combien de temps? 10, 15 ans? Ouf, au moins 15 ans, ouais. Ici, les choses n'ont pas tellement changé. Ouais, je m'en doute. Bon, tu me suis. Ok. Gardez à l'œil, au cas où. Que je te dépose en ville après? Non, je crois que je saurai retrouver le chemin. Comme tu veux. Bienvenue à Farewell Bend. Merci. Salut les gars. Mmh.
Y a quelqu'un ? Eh oh ! Vous aider ? JJ ? Salut, Cliff. Eh ben, que dites-vous de ça ? Bah, moi, j'en dis que Thomas Jazz a vraiment le sens de l'humour. Content de te voir. Ouais, wow, JJ Sawyer, qu'est-ce que tu fais là ? Ah bah, je me suis payé une petite sortie de route. Ah, le grand JJ qui finit dans le talus. Ouais, ça m'arrive aussi. Résultat ? Je me retrouve sans direction assistée et je sais qu'il y a une fuite. Alors, si tu veux bien jeter un œil. La direction. Hé, hey, Body ! Body ! Va regarder le moteur de ce monstre. La direction, allez, c'est une priorité. La direction assistée. Que je te vois pas mettre les mains là-dedans, toi. C'est folklorique ici. Ouais, l'Eldorado des garagistes. Ça change du monde des courses. Ouais. Tu sais, j'ai quitté le circuit juste après ton accident et ensuite. J'ai monté cette affaire et. T'as une voiture là-dedans ? Prête à rouler. Tu me la montres ? Ouais, bien sûr. Waouh ! Ça, c'est ce qu'on appelle une œuvre d'art. Tu montes à combien avec ? Ça, faudrait le demander au pilote. Ouais, je vois. Tu permets ? Ouais, je t'en prie. J'adore ça, y a pas à dire. Qu'est-ce que ça peut me manquer ? Un verre ? Je sais pas trop. C'est bon, allez. D'accord, je vais en prendre un petit. Pourquoi pas ? Vas-y, pose-toi. Eh ben, aux vieux amis. Bah, à toi. Ça lui ferait plaisir. Comment elle va ? Il lui a fallu des années pour surmonter la mort de mon frère. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai soutenu comme je pouvais. T'as su pour le mariage ? Ouais, félicitations. Au jeune marié. JJ Sawyer. Revenant faire un tour en ville. Sacrée coïncidence. Comment ça ? J'en sais rien. Ah. Après tout, allez, viens, suis-moi dehors. Tu veux que je te suive dehors ? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Prends ton verre et pas question de refuser. D'accord. J'ai essayé de lui dire qu'il fallait pas le provoquer. Où est-ce que tu m'emmènes, Cliff ? Ah, faut être équitable. Tu m'as montré la tienne, je te montre la mienne. Mais, avant que tu la voies, ok. Eh ben, heureusement, je suis à pied. Allez, à la tienne. Attends de la voir. Je fais que ça, attendre. Tu vas pas être déçu. Non, tu rêves. Bien elle. La voiture de Cutter. Je l'ai retapé moi-même. Oh, bien sûr. J'ai modifié 2-3 trucs pour qu'elle puisse faire de la ville, mais. Juste de la finir et là, toi, t'arrives. Tammy veut même pas la voir. Je me casse, Cliff. C'est vrai, c'est bizarre, non ? Je la finis et voilà que t'arrives.
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi? Ça veut rien dire du tout. Ah, si, forcément. J'en suis certain. C'est pas une coïncidence, c'est un signe du destin. Écoute, JJ, personne n'aurait dû être blessé sur là, d'accord? C'était une idée de Cutter et il m'a convaincu de le faire. Convaincu de faire quoi? Ta voiture. On l'avait sabotée. Il avait besoin de ses sponsors. Il lui fallait leur argent. L'argent, Tiroto. T'as saboté ma voiture? Salopard! Cutter avait réussi à faire pression sur l'un de tes mécanos. Ici. Je suis désolé. Est-ce que ça va? T'as rien de cassé? Non, je sais. Désolé, je peux rien garantir. D'accord. Je vous le confie. Faites au mieux. Faut une bagnole, quelques bières à 100 à l'heure, ça te remonte le moral. C'est vraiment ce camionneur qui a tué ton père? Arrête. Comment tu veux que je sache? Il accepterait peut-être de tuer le mien. Hey, ça t'apprendra à manquer de respect, mec. Je crois que je suis amoureux. Salut, bonsoir. Donnez-moi une pression. Tenez, merci. Ça doit être par là. Du sang, je te pète la tête. Je viens de me faire péter par une gonzesse, alors les menaces. Le naze. Waouh. Hey, t'as vu ça? Waouh, ça c'est bizarre. Attends, c'est pas vrai, c'est une allure. Alors on va bien voir. Hey, regarde dans le coffre, y a peut-être des bières en bonus. Ok, ok, ok. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Wouh. Il est énorme, ce coffre. Oh la vache, j'y crois pas. Pour vous. On m'a dit de venir remplir un formulaire. Oh, JJ, c'est bon, rentre. Et je m'occupe de lui. Alors ça y est, te v'là en ville. Ouais. La police d'État a réussi à coincer ton chauffeur pour excès de vitesse et lui a pris son permis avant qu'il ne tue quelqu'un. C'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Oh, disons que je l'ai mise là où j'aurais pas dû. Et ton camion, c'en est où? Je pense que je vais devoir changer de mécanicien. Cliff est le meilleur, JJ. Et c'est quelqu'un de bien. Tiens, remplis ça. Ok. Et tu signes ici. C'est à toi que j'ai donné ma toute première contravention. À toi et à Cutter.
Vous étiez de vraies terreurs, tous les deux. Vous étiez trop fougueux pour m'écouter. Moi, je vous ai peut-être mené la vie trop dure. J'ai pas vraiment envie de me rappeler cette époque-là, Tom. Mais je comprends. J'allais souvent jusqu'à Craiglo pour rendre visite à tes parents. Ils arrêtaient pas de parler de toi. Oh, JJ va revenir à la maison, il sera là d'un jour à l'autre. Voilà, ça y est. J'ai mis mes coordonnées, j'ai signé. Et pour le reste, écrivez ce que vous voulez. Du calme, on a tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Non, j'étais pas là à leur enterrement. Et ça regarde que moi et mes parents et mon créateur. N'empêche que t'as laissé tomber tout le monde. Laisse-moi te dire un truc. Personne ne t'a jamais reproché cet accident. C'est toi seul qui l'as fait. La ville a perdu un héros ce jour-là. Elle n'avait pas besoin d'en perdre deux. T'aurais beaucoup à apprendre de Cliff. Vous aussi, Tom. Avec les compliments de la direction. Il est garé dans Main Street. Qu'est-ce qui s'est passé au garage? Rien du tout. Oh, c'est marrant, Cliff m'a dit la même chose. T'es arrivé et t'as cassé la figure d'un ami comme ça pour rigoler. Écoute, tout ça c'est ma faute. Ok? C'est comme ça qu'on dit bonjour après 17 ans. Bonjour, Tammy. T'as l'air en forme. Oh, je te remercie, toi aussi. Qu'est-ce que tu fais ici, JJ? Je quitte la ville. Non, ça, tu l'as déjà fait. Parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien. T'as qu'à rester encore un peu. On trouvera bien. Il n'y a rien pour moi ici. Merci pour le camion. Au final, c'est toujours la même chose. C'est assez répétitif comme boulot. J'ai été content de te voir. Donne-moi ça! Mais lâchez-moi! Si, donne-moi ce coucher! Arrêtez! Donne-moi cette bombe! Tu peux m'expliquer pourquoi tu fais ça? C'est de la liberté d'expression! Ah ouais? Hé! Reposez-moi par terre! Je vais crier au viol! Vas-y, Picasso, qu'est-ce que t'attends? Ouais, tu t'amuses bien, Jesse. Ouais, en taguant mon camion. Toi, je te croyais parti depuis longtemps. Et vous, qu'est-ce que vous faites encore ici? Ah, disons que dans ce boulot, il n'y a pas d'horaire. Ouais. Je vois que les murs de la ville ne suffisent plus à l'artiste.
n'y vois rien de personnel, mais on ne se charge pas du nettoyage. Il va pourtant falloir que quelqu'un le fasse. Elle n'aura qu'à en parler à sa mère. Tout ça, c'est à cause de JJ. C'est fini. Terminé, ces conneries. Allez, viens, Jesse, on rentre. C'est ta fille ? C'est un plaisir de te revoir, JJ. C'est n'importe quoi. Pour commencer, je vais t'arracher ce que t'as dans le ventre. Et ensuite, j'écrabouillerai ta carcasse. Bien tes endroits, toi. Tu peux parler? Écoute, Jesse, le shérif Hodges ne va pas continuer à te couvrir uniquement parce qu'on est amis. Pour ce que ça me fait. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Je voudrais que tu réfléchisses un peu à ce que tu fais. Que je réfléchisse? Ok. J'aimerais que tu te montres plus responsable. Ah ouais? Du genre traîner autour des circuits, faire la fête et tomber enceinte, c'est ça? Tout ce que je veux, c'est que tu t'en sortes mieux que moi, Jesse. Ouais. Tu voudrais surtout pas que je reproduise tes erreurs. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Si tu l'as dit. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais besoin de jeter un coup d'œil à votre remorque. Pourquoi faire? Vous l'ouvrez, c'est tout. Ah, voyons. Faites-le vous-même. Non, faut que ce soit vous. Savoir ce que vous cherchez exactement. Disons que je cherche une tête. Bon d'accord, restez là. On va avoir des questions à vous poser. Alors patron? Cambriolage. Salut Ron. Il arrive, les surprend, essaye de les arrêter. Et là, il lui tranche la tête. Bon. Alors, ils ont pris la voiture pour nous faire croire un cambriolage. Ils seraient venus pour le tuer? Ouais. Mais qui pouvait vouloir tuer Cliff? Surtout de cette façon. J'ai fait amener Sawyer. Il attend à l'intérieur. Très bien. Merci. Bon courage. Ma collègue va prendre votre déposition. Bien, allons-y, monsieur Jenkins. Racontez-moi tout depuis le début. À quelle heure êtes-vous arrivé?
peux savoir pourquoi on me fait attendre ici? Tu ne sais pas? Non. Tout ce que je sais, c'est qu'un de vos adjoints est venu fouiner dans ma remorque, à la recherche d'une tête. Mmh. Il semblerait que Cliff ait perdu la sienne. Sa tête. Oui. J'ai entendu dire que vous en étiez venu aux mains. Ouais, c'est vrai. Quand je l'ai quitté, sa tête tenait solidement sur ses épaules, vous pouvez demander à Tammy. Oui. Elle est au courant? C'est elle qui a trouvé le corps. Oh la peau, faut que j'aille la voir. Ryan Press. Arrêtez, Tom! Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça à Cliff? Pourquoi est-ce que je l'aurais tué? Tu connais l'histoire, JJ. C'est pratiquement une légende dans la région. Au cas où vous l'auriez oublié, c'est moi qui l'ai vécu, cette histoire. Alors si quelqu'un avait eu des envies de vengeance après 17 ans, ça aurait dû être Cliff, pas moi. Alors comme ça, Cliff voulait se venger? J'ai dit si. Ah oui, bien sûr. Tout ce qu'il voulait, c'était me montrer sa voiture. Oui, d'ailleurs, tu ne trouves pas que c'est une curieuse coïncidence? Ah ouais. Ce serait drôlement pratique. Ça vous arrangerait bien. Comme dans toutes les légendes, il faut un méchant. Ce que je sais, c'est que t'es un dégonflé et un raté. La grande question, c'est jusqu'à quel point tu l'es. Shérif? Ce gars-là, c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? En dehors de ce qui saute aux yeux, ouais. Le véhicule lui est passé dessus post-mortem. Tu veux dire qu'ils lui ont coupé la tête et qu'ensuite ils l'ont écrasé? Faut être enragé pour faire ça. Je situe l'heure de la mort aux alentours de 21h. 21h hier soir? T'en es bien sûr? Oui, j'affinerai ensuite. D'accord, je te remercie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que JJ était dans nos bureaux hier soir à 21h. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais pu apprendre de Cliff et que je ne sais pas encore? Que c'est pas moi, que c'est pas moi qui l'ai tué. Ça, je peux pas lui demander. Dans mon bureau hier soir, tu as dit que Cliff pourrait m'apprendre des choses. Tu pourrais être plus précis? Bon. Tu peux t'en aller. Ils avaient saboté ma voiture. Cliff et Cutter. C'est ça qui a causé l'accident. Cliff me l'a avoué, c'est pour ça qu'on s'est accroché. Mais ça m'a l'air d'un excellent mobile. Je l'ai pas tué, d'accord? Ouais. Allez, va-t'en. Écoutez, il y a autre chose. La voiture. Eh ben quoi? Ça paraît dingue, mais... quand Cliff m'a montré cette voiture, c'était comme si Cutter était resté dedans. Comme s'il en était jamais sorti après l'accident. Tu ferais bien de t'en aller. Tammy, c'est JJ. Tammy? Laisse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris sa tête, JJ. Et maintenant, Jessie réagit comme une étrangère et je comprends plus rien. Et je me dis que c'est peut-être fini. Que ça y est, que je l'ai perdue pour toujours, elle aussi. Non, dis pas ça.
Pourquoi ma famille a complètement explosé, JJ? Et encore une fois, tu es là, Méliès Désastre. Pourquoi t'es ici? Pourquoi t'es revenu? Pourquoi, JJ? De la centrale, je poursuis une voiture de course rouge, pas de plaque. Je suis à l'aire de stockage de la série Picard. D'accord, bien reçu. Celui qui conduit cette voiture est notre suspect numéro 1. On s'entendait plutôt bien, Cliff et moi, tu sais. En tout cas, jusqu'à ce que son chagrin finisse par le submerger. Je crois que Cutter était son seul et unique point d'ancrage. Alors il a commencé à boire de plus en plus et à être obsédé par la voiture de son frère. Et avec Jessie qui s'attirait des ennuis, je me disais que ça irait et qu'on finirait par s'en sortir. Est-ce qu'il s'est vraiment écoulé 17 ans? Ouais. Parle-moi de toi maintenant. Tu as été rongé par la culpabilité. Tu sais que Thomas Jess croit que je l'ai tué. Ta fille croit que je l'ai tué. Oh, qui serait capable de faire ça? Je sais pas. Depuis quand il travaillait sur cette voiture? J'en sais rien, un an à peu près. Pourquoi? Il t'a jamais rien dit à son sujet? Il n'a pas évoqué des choses qui auraient pu te paraître, disons, un peu étranges? Non, il a arrêté de me parler de cette voiture après que je lui ai dit que je voulais qu'il la détruise. Quand il me l'a montré, j'ai eu une sensation étrange. Quelle sensation? Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Quelque chose comme quoi? Cutter. Comme s'il ne l'avait pas quitté. Comme s'il était là, Foudrage. Tu veux dire... comme un fantôme? Et tu crois que c'est ce fantôme qui a tué Cliff? C'est possible, oui. Oh mon Dieu. Tu es cinglé? Non, je... Tammy, ça suffit, je veux que tu sors d'ici. Non mais, Tammy, écoute... Je t'ai dit de sortir! D'accord. Thank you.
J'ai été retardé, Turk, mais je suis à nouveau sur la route. T'es sur la route? Tu devrais déjà être ici. Désolé d'avoir à te le dire, mais c'est ton boulot qui est en jeu. Je sais. Qu'est-ce que tu crois? Que je l'avais pas déjà compris? Qu'il le garde, son boulot. Ah! Faut absolument que j'aille aux toilettes. Bien, garde-toi de ça. Et puis quoi encore? Ah, j'adore les hamburgers. Je crois que je pourrais en manger tous les jours. Si je devais bosser, ce serait dans un fast-food, rien que pour les hamburgers. En attendant, dépêche-toi de finir. On s'en va. J'ai été surprise, je pensais pas que vous partiriez. T'aurais pu dire quelque chose? Ouais, j'aurais pu aussi vider ma vessie sur votre couchette, mais je l'ai pas fait, même si j'y ai pensé. Hé, hey, c'est pas moi qui t'ai demandé de venir, ok? J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Si je livre pas cette voiture dans les temps, c'est moi qui vais me retrouver à servir des frites dans un fast-food. Ouais, mais quelle économie. Appelle ta mère. Alors là, vous rêvez. Pas question que je retourne là-bas. Ah ouais? Tu comptes aller où? J'en sais rien, je pourrais rester avec vous le temps de savoir ce que je vais faire. Et ça se finirait comment, ton histoire? La fin. Il n'y aurait pas de camionneur fou qui tue mes deux pères, ça c'est sûr. Écoute, ta mère... Ma mère n'est... Arrête, écoute-moi bien. Ta mère a besoin de toi pour l'instant. Tu es tout ce qui lui reste. Et je te ramène chez elle. Alors, debout. Non, attendez, hé, hey, ma boisson, je voulais... Hé, hey, rendez-moi ça, j'ai pas fini mon hamburger. Oh, arrête, on y va. Vous savez, je vous demande pas de me garder jusqu'au bout. Vous pourriez me lâcher à San Francisco, par exemple. Tu dis n'importe quoi. Hé, mais il est fou! Viens, reste pas là! C'est la voiture de mon père, mais il y a personne dedans! Cherche pas, grimpe! Appelez la police d'État. Racontez-leur. Oui, shérif. Tom! Désolé, j'ai pas le temps, Tammy. Jessie a disparu. Je l'ai pas revue depuis hier soir. Et j'ai déjà fait tous les endroits qu'elle fréquente. Elle a été bouleversée par ce qui est arrivé à Cliff et... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sais si elle devait voir Taz ou Owen hier soir? C'est possible, pourquoi? Eh bien, parce que quelqu'un a trouvé Taz ce matin. Il était mort. Owen? On le cherche. Oh non, pas ça. Bon, on n'a trouvé aucune trace de Jessie, alors je suppose qu'elle n'a rien. Vous supposez... Nous ferons l'impossible pour la retrouver, compte sur moi. Mais pour l'instant, j'ai plusieurs meurtres sur les bras et mon seul suspect a quitté la ville au milieu de la nuit. C'est JJ? Oui. Vous savez, il m'a dit des choses assez délirantes hier. Oui, je sais ce qu'il raconte. J'aurais dû l'enfermer quand je le tenais. Oui, mais si elle est avec lui... Alors on te la ramènera. Je viens avec vous. Non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Tom, j'ai dit je viens avec vous, est-ce que c'est compris? Je la vois pas. Cette saloperie a essayé de nous tuer. Jess, on est en sécurité dans le camion. Ici, elle peut pas nous atteindre. Ouais, peut-être, mais j'ai tellement la trouille. Bienvenue au club. Il y avait même pas de conducteur. Quoi que ce soit qui l'anime, c'est moi qu'elle veut tuer, pas toi. Ouais, c'est clair, elle a démoli un marché entier pour nous rouler dessus, mais à part ça, c'est toi qu'elle veut. C'est elle qui a tué mon père. Ah. Ouais, c'est génial, la voiture tueuse. Demain, dans les salles. Je préférais quand je pensais que c'était toi. C'est une voiture hantée, c'est ça? Qu'est-ce que j'en sais? C'est ma première voiture tueuse, à moi aussi.
Est-ce que c'est Cutter? Je sais que c'est lui, mon vrai père. Maman me l'a dit. Est-ce que c'est lui? J'ai aucune idée de ce que c'est, je t'assure. Tu parles, tout le monde sait que vous étiez les pires ennemis. Non, ça c'est des histoires. Des trucs inventés, ils ont lancé ça pour pimenter un peu les courses. C'est vrai? Ouais. Quand on était jeunes, Cutter et moi, on faisait la course, on vidait les boîtes aux lettres, on courait après les filles. C'est simple, tous les trucs stupides que font les garçons. Enfin, certains garçons, on les a fait. Cutter et moi, on était potes. Il était comme toi? Comme moi? Je suis comme lui? Non, toi, t'es comme ta mère. Et toc, entre les deux yeux. Eh, c'est toi qui voulais savoir. D'ailleurs, en parlant de ta mère... va y avoir du sport. Qu'est-ce qui se passe? Sors de là, JJ! Main sur la tête! En douceur! Oh, 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 on se calme! Face au camion, vite! Écarte-toi de lui, Jesse! Quoi? J'ai dit face au camion! Jesse! Ça va pas, non? Arrêtez! Jesse! Non! Je l'ai ramené à la maison, Tammy! C'est pas sa faute! T'as de la chance qu'elle ait rien, parce que sinon, on aurait réglé ça à l'ancienne! Vous faites une grosse erreur! Ah ouais! La seule erreur que j'ai faite, c'est de t'avoir laissé t'en aller, espèce de psychopathe! C'est la voiture, Tom! Arrête avec cette foutue voiture! Mais c'est la vérité! Viens! Non! C'était la voiture de mon père, celle de Cutter! Je l'ai reconnue, elle a essayé de nous tuer tout à l'heure! T'entends ce que dit ta fille? Lâche-moi! Laisse-le tranquille, il a rien fait de mal, c'est pas lui! Arrête, ça suffit! Tais-toi, Jesse! Arrêtez! Non, lâche-moi! Lâche-moi, je te dis! Monroe! Écoutez, elle vous dit la vérité, je vous dis la vérité! Très bien, tu l'auras voulu! Merde. Je suis désolée de ne pas t'avoir cru tout de suite. Oh non, c'est rien. Je me suis pas cru non plus au début. Sérieusement? Je veux dire, c'est vraiment cette voiture qui a tué Cliff? Elle est hantée, maman. Non, c'est impossible. Tu réagis? Lui, il est trop gentil pour te le dire, même s'il veut se faire passer pour un gros lourd. La voiture en a après lui et tous ceux qui sont sur son chemin. Alors quoi? Elle est hantée par Cutter? Pourquoi est-ce qu'il tuerait son propre frère? Fantôme, mort-vivant, maléfique! Ouais, bon, le plus important pour l'instant, c'est de trouver un endroit pour nous mettre à l'abri. Je trouve pas mon portable, prête-moi le tien. J'en ai pas, désolée. Toi, t'en as forcément un? Non. Désolée, ce privilège vient de m'être supprimé sans la moindre raison. Oh, parce que ton comportement immature n'est pas une raison, peut-être? Ouais, non, ça suffit, on oublie le portable. Si on essayait ça. Break, break, sécu! Arrête, donne-moi ça, donne. Break, break. Ceci est un appel d'urgence. S'il y a quelqu'un sur la fréquence, répondez. Est-ce que quelqu'un me copie? Ah, on est au milieu de nulle part. Oh, toi la ferme. Dis donc, t'as déjà l'argot, les attitudes. Tu sais quoi? T'as qu'à reprendre mon boulot, puisqu'ils vont me virer. Tu parles d'un boulot, chauffeur routier. Oh, qu'est-ce qui serait mieux comme boulot? Des centaines d'autres. D'accord, vas-y, cite-moi. Maquilleuse. Maquilleuse? Du genre... vendeuse de rouge à lèvres?
Non, non, ce que je veux, c'est maquiller les gens. Pour des défilés ou des séances photos, des trucs comme ça. Ah ouais, pas mal. Je crois que ça gagne bien en plus. Ouais, et c'est sérieux, c'est une vraie profession. Il y a des écoles où on peut se former. Bien, bonne idée ça. C'est bien. Oh, ça va. Je trouve que tu t'en sors bien avec elle. Elle t'apprécie. Tous les mauvais goûts sont dans la nature. C'est dingue. J'ai appris plus de choses sur ma fille dans ce camion qu'en une année entière. Elle s'était cachée là-haut, dans la couchette. Tu sais, elle se pose beaucoup de questions sur son père. Mais ça va, j'ai un peu enjolivé. Je lui ai fait croire que Cutter et moi, on était de bons amis. Ce qu'il y a, c'est que je ne lui ai pas beaucoup parlé de Cutter. C'était vraiment trop dur. Et toi? Quoi, moi? Est-ce que tu as des questions? Des questions à propos de quoi? Sur le fait que j'étais avec lui et pas avec toi. J'imagine que c'est parce que tu l'aimais plus que moi. Non, c'est pas ça. Tu rigoles, Cutter était quelqu'un de méchant. Il ne s'intéressait qu'à lui-même. J'ai eu largement le temps de repenser à tout ça. Toi, tu étais gentil. Grande gueule, mais bien plus valable que ces types-là. C'était trop dur à gérer. Je t'ai quitté par lâcheté. Alors, qu'est-ce que Cliff t'a dit l'autre jour ? Il a dit que c'était grâce à Jessie et toi qu'il avait tenu le coup. Pourquoi on ralentit ? Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est absolument pas volontaire. Tu sais à quoi c'est dû ? Non, mais je sais que c'est pas bon signe. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais jeter un coup d'œil au moteur. Bon, bah moi je sors. Oh non! Tu ne sors pas. Comme si en restant là, j'allais empêcher un fantôme fou de rage d'assouvir sa vengeance sanguinaire. Ça vous arrive d'aller au cinéma? Désolé, j'ai une bille. Un camion, tu veux dire? Et des vieilles chaussettes qui puent et une... C'est bon, Jessie. D'accord, tu sors, mais pas question de t'éloigner. Ouais, et tu rappliques à la moindre alerte. J'en avais bien l'intention. Alors ? Je vois rien. La transmission ? Ça se pourrait bien, malheureusement. Ouais, elle a dû griller. C'est la fin du voyage pour lui. On va être obligé de partir en randonnée au milieu de nulle part, hein ? Allô ? Il y a une voiture de course dans la remorque. Pas comme ça, à son âge. Non, l'insolence, elle tient ça de son père. On aura sûrement besoin de ça. Aucun doute, elle est comme son père. Elle est comme toi, JJ. Quoi ? Encore une chose que j'ai pas su gérer. Jessie, aide-moi. C'est ma fille ? Tu m'annonces ça après 17 ans, comme ça.
Oh, t'as bien choisi. Je l'ai fait parce que c'est peut-être ma dernière occasion de te le dire. Que je lui cours après encore une fois. Mais pourquoi? Il veut se venger de ce qui lui est arrivé. C'était un accident. Ouais. Dis-moi, c'était bien un accident? Il n'y a pas eu d'accident, Tammy. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, JJ? C'était la faute de Cutter? Qu'est-ce Écoute, qu'il a fait, c'est dis-moi. Pas important pour l'instant. Mais si, au contraire. Non, 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 tout ce qui compte, c'est qu'on récupère notre fille. Que Jessie était ta fille. À la maison. Ok. On a peut-être une chance de le coincer. Comment ? La voilà, regarde ! Allez, plus vite ! Oh non, on n'arrivera jamais à la rattraper. Pas en ligne droite, non.
C'est sûr, il va la tuer. Moi vivant, ça n'arrivera pas. Ici. Tu peux pas descendre ici alors que... Tu vas devoir me faire confiance, Tammy. Je sais ce que je fais. Maintenant. T'inquiète, j'ai un plan. Ah ouais, c'est ça, je te crois, t'as raison. Le plan, c'est je pars en courant à toute vitesse. Toi, tu rejoins ta mère et vous filez, tu y arriveras. Ouais, oui, seulement... Et toi, tu deviens quoi? Parce que cette voiture va pas te lâcher. Ça aussi, ça fait partie du plan. Écoute, dis à ta mère que je trouve qu'elle a fait un super travail avec toi. Trois pères décédés. Ça doit être un record, non? Je te jure que ça arrivera pas. On y va. Génial. Je croyais t'avoir dit de filer d'ici. Alors, t'avais vraiment un plan. T'as réussi. J'étais petit, c'était ma cachette préférée. En fait, on venait se baigner à poil juste là. D'accord, on s'arrête là. J'ai vu assez d'horreur aujourd'hui sans y ajouter cette image. Oh. Ok, alors, maintenant qu'on est tous là, je voudrais des explications. Elle est au courant. Elle est au courant? J'y suis pour rien. Oh oui, un tas d'explications.
Oui, ben on s'expliquera plus tard. Pour l'instant. Ah non, un. Tu t'en sortiras pas si facilement. Oh non, c'est du délire. Monte dans la voiture. Dans la voiture, vite! S'arrêtera jamais. Elle va revenir encore et encore. C'est moi qu'elle veut, ça me paraît clair. Je dois absolument vous éloigner de moi. Là et partir, JJ. Ah non? Et qu'est-ce que tu vas faire pour m'aider, Tammy? Hein? Dis-moi, ton ex est devenu un foutu démon. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rouler jusqu'à ce que tu tombes en panne d'essence? Et alors ensuite? T'as un meilleur plan? Parce que dans ce cas, je suis preneur. Admettons qu'il finisse par t'avoir. Qui nous dit qu'il ne viendra pas s'en prendre à nous? Ah oui, parce que tu crois que ce qu'il veut, c'est toi et toi seul. Il nous faut un endroit où une voiture peut pas aller. Jessie, elle est ressortie du lac. C'est pas bête ce qu'elle dit. C'est peut-être une voiture hantée, mais ça reste une voiture. Mais non! Cette voiture, elle est vivante! Oui. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir un moyen de la tuer. Wow! Oh, cool la caisse! Il n'y a pas beaucoup de voitures de course qui passent dans le coin. Ouh! Elle est classe! Vous avez eu un accident, un truc comme ça? Ouais, en quelque sorte. Elle est à vous, la voiture, là? Ouais. On peut vous emprunter les clés? Quoi? Tout de suite. Sinon, vous risquez de le regretter le restant de votre vie. Écoutez, je peux vous appeler les secours, si vous voulez. Donnez-moi les clés. Et voilà. Inutile d'appeler le shérif, parce qu'il est déjà mort. On vous la ramènera, c'est promis. Allez, vite, installez-vous. JJ. Je veux que t'ailles aussi loin que tu pourras. Et une fois là, tu continues. Comment on saura ce qui t'est arrivé? Le principal, c'est que vous soyez en sécurité, d'accord? Oh, allez. Tout va bien. Tout va bien. C'est toi la plus forte d'entre nous. Non. Écoute, Jessie, j'étais pas auprès de toi. J'ai pas pu te voir grandir. Mais là, je peux être utile. Alors laisse-moi faire. Ok? Allez, vas-y, sauve-toi. Désolée pour les tags. Attention, la prochaine fois, je porte plainte. Allez, grimpe. Salut, l'ancêtre. Hé ! Pas si vite, monsieur ! Restez là ! N'essayez pas de me faire une embrouille ! C'est bon, j'y pense même pas. Alors, vous avez tué le shérif ? Non. Et j'ai pas tué son adjointe non plus. Et j'ai dit pas d'embrouille ! Pourquoi vous avez du sang ? Qu'est-ce qui est arrivé au shérif? J'ai dit qu'est-ce qui lui est arrivé au shérif? D'accord, ok. Allez-y! Oh non! C'est trop tard, il arrive! Oh merde de salopard! Toi, sauve-toi! Cours! Dégage! Dégage d'ici, t'as compris? Oui, je m'en vais! Je m'en vais! Non,
possible. Remontez dans le 4x4. Ok, on va rester, on va t'aider. Non, pas avec Jessie à la rue. On se retrouve chez toi, fonce. Ça va, tu tiens le coup? Comment on peut faire ça, hein? Comment est-ce qu'on peut l'abandonner? Ma chérie, il a dit qu'il avait un plan. C'est quoi son plan, de se faire bouffer sur la route? Donne-lui au moins une chance, ne renonce pas si vite. Comme tu l'as fait? Oui, c'est ça. Je l'aime bien, maman. Moi aussi. Attrape-moi si t'y arrives. Et approche, salopard, approche! Cutter!
15 minutes les plus longues de ma vie. Et Jessie ? Elle est ailleurs, en sécurité. C'est une chouette gamine. Oui, c'est vrai. Alors, t'es prête pour la suite, parce qu'il arrive ? Il peut venir, je l'attends de pied ferme. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce regard. C'est parti. Reste où tu es. Non, JJ, ne fais pas ça. Il faut que je l'arrête. Pas de doute. Ah. Je crois que cette fois, c'est fini. Ça mange quelqu'un ? Passons, merci. Allons-nous-en.